Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane et je vous fais une petite intro cette fois-ci pour cet épisode puisque c'est un peu particulier, je vous le mets quand même dans le let's play pour que ce soit complet, mais c'est quelque chose que j'ai enregistré en off en fait, j'étais pas en live et j'avais envie de tester ce défi. Je me suis dit si jamais ça passe, je lance quand même l'enregistrement et au pire je le rajouterai comme ça, donc voilà c'est ce que je fais. Prochain épisode ça reprendra sur un épisode normal enregistré en live bien entendu, mais c'est parti des défis saisonniers en fait de faire l'araignée en difficile en solo. Et c'est vrai que jusque là bah, j'avais pas essayé. J'avais jamais essayé l'araignée en difficile en solo. J'avais même pas essayé l'araignée en difficile d'ailleurs. Du coup, il va falloir que je découvre la mécanique du nuage toxique. Vous allez voir hein, d'ailleurs dans l'essai que bah, je suis pas trop au fait des choses. Puisqu'en fait, c'est passé en deux tries. Donc forcément, le try n'est pas un try parfaitement propre ou quoi. Puisque bah, le temps que j'apprenne les mécaniques, c'est dans ce même try que j'ai réussi finalement. Donc voilà. Et mon build n'est pas non plus le build du siècle. Mais vous voyez que ça passe plutôt bien. Ça, il n'y a pas de souci. Et bah, c'était l'occasion de remplir ce défi saisonnier qui fait partie des choses que j'ai à faire. Ben, le prochain épisode sera aussi consacré à ça. Toute la fin du let's play hein, va être hors nouveautés qui pourraient éventuellement émerger. Il y en a le 22 d'ailleurs, il y a des éléments qui arrivent le 22. Le reste, ce sera bien sûr du coup eh bien, cette complétion de défis saisonniers. Donc voici celui de l'araignée en difficile en solo. Encore une fois, soyez indulgents sur le try. Le but, c'est pas de dire waouh, c'est génial, c'est juste voilà, d'avoir la continuité dans let's play et de montrer comment ça s'est passé. Et c'est passé, donc je suis très contente. Je vous laisse avec la vidéo et on se dit à très vite.